allié aux Prussiens, organisa depuis le château de Versailles. On voulait rendre un hommage à Marcel Croquefer qui nous a quittés le 10 avril. Alors Marcel, c'était un grand militant avec deux faits très importants, même si sa carrière est jalonnée de combats et de victoires, mais en particulier le combat contre la raffinerie, la fermeture de la raffinerie des Flandres dans le Nord. Et le deuxième, je ne sais pas si tu te rappelles Thierry, c'était le 25 novembre 2015. J'ai une guinguette d'industrie à la salle du Grès où il était venu nous présenter son projet hydrogène. Oui, important. Et c'est pour ça qu'on veut rendre hommage à Marcel, parce que c'était un partenaire de Plus Belle les Luttes, et on avait pris en compte le projet industriel qu'il avait monté justement suite à la fermeture de la raffinerie. Mmh. Il avait proposé qu'en gros, Total voulait se passer de pétrole, mais en fin de compte, pour l'importer de l'extérieur, on l'a connu à la MED un peu plus tard, mais de dire à un moment donné, d'autres énergies sont possibles, tout et notamment l'énergie hydrogène, ce dont on ne parlait pas en 2015. Non. C'est ça qu'il faut dire. Il y a 5 ans, c'était block-out. Mm. Sauf que Total, quand il a présenté à Total, je me rappelle avec ses camarades, l'a proposé à Total. Total a dit, ne laissez tomber, c'est pas pour nous. Ils avaient piqué le projet. Ouais. Ils étaient partis en Allemagne avec BMW pour le développer. Ils sont plus ou moins arrivés. En tout cas, c'est pas flagrant. Ça a pas été probant. Pas très probant, tu vois. Mais en même temps, Marcel, ton projet. Alors, il y a eu un même projet sur Mourenx, oui. Avec Arkema fait, et ouais. LAC. L'année suivante, ouais. D'ailleurs, ils ont été financés là-dessus. Il est en stade d'évolution. Sauf que Marcel, bonne nouvelle, mais tu as dû le savoir juste un peu avant. Total reprend le projet avec Engie. Mmh. Ils le mettent avec les éoliennes sur Flandre. Mmh. Sur Flandre. Là où ils ne voulaient pas le faire, 6 ans plus tard, ils le font. Et encore pire, c'est que Total l'amène dans les Bouches-du-Rhône. A proposé ce projet de le faire avec du photovoltaïque et de créer de l'hydrogène. Ciao Marcel. Ciao Marcel, on ne t'oubliera pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bon, ça nous a fait du bien de rendre hommage à Marcel. Voilà, on continue. 22e hebdo des luttes. À l'image, la carte d'occupation des lieux culturels, des intermittents du spectacle, mais aussi des jeunes, des intermittents du travail. Monsieur le gouvernement, on peut le dire comme ça, ou madame le gouvernement, abandonner la réforme du chômage et réouvrir les lieux culturels, mais aussi avec des moyens pour les réouvrir. Voilà, c'est dit, nous sommes solidaires. Autre solidarité, c'est pas de profit sur la pandémie. Vous voyez apparaître un QR code derrière, un QR code, si vous flashez dessus, vous irez directement sur la pétition mise en ligne au niveau européen, cher Philippe, pour justement avoir 1 million de signatures pour pas de profit sur la pandémie, où la société est partenaire, ainsi que des associations progressistes. Voici le clip. Tout le monde mérite d'être protégé contre le Covid-19. Aidez-nous à y parvenir. Depuis début 2020, le coronavirus a causé de grandes souffrances humaines dans le monde entier. L'arrivée des vaccins apporte l'espoir d'une amélioration. Ces vaccins ont été développés principalement via de l'argent public. Pourtant, quelques grandes entreprises pharmaceutiques en contrôlent la production et fixent les prix. Pourquoi ? Parce qu'elles détiennent des brevets. En conséquence, trop peu de vaccins sont produits à un prix raisonnable pour permettre de protéger toute la population mondiale. Dès lors, l'Afrique du Sud et l'Inde proposent une solution. Ils demandent à l'Organisation mondiale du commerce de suspendre temporairement les brevets sur les médicaments, les vaccins, les tests et autres technologies cruciales dans la lutte contre le Covid-19. En partageant les résultats des recherches, cela permettrait à d'autres petites et moyennes entreprises de produire aussi des vaccins et de les rendre moins chers. Une telle suspension temporaire de brevets a déjà été acceptée avec le vaccin contre la polio et les médicaments contre le VIH. Cependant, dans ce cas-ci, certains gouvernements, dont l'Union européenne, bloquent la proposition. Or, de nombreux et nombreuses citoyens et citoyennes et organisations de la société civile ne sont pas d'accord avec ce veto de l'Union européenne. Ils ont donc lancé une initiative citoyenne européenne, ICE, baptisée « Pas de profit sur la pandémie ». Objectif : récolter 1 million de signatures provenant 1 million de citoyens et citoyennes européens. Si nous y parvenons, la Commission européenne devra rediscuter la suspension de ses brevets. Êtes-vous d'accord pour dire que tout le monde a droit à un vaccin et à des médicaments pour lutter contre le Covid-19 ?
que les informations sur la qualité, la sécurité et les coûts de production des vaccins doivent être rendues publiques, que la recherche financée avec de l'argent public ne doit pas être privatisée, qu'aucun profit ne peut être réalisé sur une pandémie. Alors rejoignez-nous et signez l'initiative citoyenne européenne en surfant sur noprofitandpandemic.eu/fr. Car tout le monde a droit à la santé et la sécurité. C'est quoi le salaire? Bah, vous allez me dire, bah, le salaire, c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail. Mais pas du tout. Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. D'accord? Au 19e siècle, le patronat ne nous donnait que ça. Et il voudrait ne nous redonner que ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Exactement quasiment la même somme. Qu'est-ce que vous faites du salaire? Qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail? Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales? La totalité des hôpitaux en France, la totalité du personnel hospitalier est payée et pris sur les cotisations patronales, la cotisation maladie. Qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont au chômage? Nos taulis, ils ont tous un point commun. C'est avec notre argent qu'ils licencient. C'est avec notre argent qu'on va nous mettre au chômage. CICE, exonération fiscale et ainsi de suite, c'est quoi le résultat? Des milliards ont été donnés à ces grands groupes. Depuis un an, des milliards ont été donnés à ces grands groupes. C'est quoi le résultat? C'est la question qu'on doit poser à nos gouvernements. À quoi sert l'argent qui est donné à ces grands groupes? Bah, tout simplement, cet argent sert à financer les plans sociaux. Moi, c'est Christelle, anciennement machiniste au dépôt de Nanterre et actuellement au dépôt de Croix-l'Hiver. J'ai été agressée par deux agents du GPSR dans l'ensemble de mon travail. On m'avait proposé de venir boire un café et cette pause café a dégénéré. J'ai subi effectivement des attouchements. J'ai voulu dénoncer ces choses-là. Malheureusement, cette affaire a été classée sans suite. Et heureusement que Ahmed a été là pour continuer le combat. Merci Ahmed. Je m'appelle Delphine, je suis à Flandre depuis pratiquement 14 ans. Et je suis tout cœur avec Ahmed Béharel par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ça s'est complètement dégradé. Le harcèlement sexuel et moral, en fait, sont de plus en plus présents. Et quand on le dénonce, en fait, on est une femme qui n'a pas d'humour. Heureusement qu'on a des hommes comme Ahmed qui sont présents, qui nous soutiennent et qui nous écoutent et surtout qui nous croient quand on le dénonce parce que ça commence à bien faire. Je suis de tout cœur avec toi, Ahmed. On est ensemble. Sache, Ahmed, qu'on sera là avec toi jusqu'au bout. Je tiens quand même à te remercier pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Voilà, je vais parler au futur parce que tu resteras avec nous. Gros soutien à toi pour ton disciplinaire et plein de courage à toi. Ciao! Ce qui est fait pour nous, ce que d'autres ont décidé sans nous, est en réalité contre nous. Nelson Mandela. Alors une bonne nouvelle aujourd'hui. Le groupe Coperl, spécialisé dans l'abattage des porcs et de transformation pour les groupes Madrange, Brocéliande et autres, mais vous les connaissez, est fort de ses 7200 salariés et 2950 éleveurs en France, va reprendre l'ex-GAD liquidé en 2013. Alors la bonne nouvelle, c'est que 50 emplois vont être créés aujourd'hui et que dans les mois à venir, 500 autres devraient venir. Bon, mais quand même, cette bonne nouvelle, on va la suivre de près parce que 500, ça nous paraît quand même beaucoup d'un coup. Jeudi 8 avril, donc jeudi dernier, fonderie morte dans toute la France à l'initiative de la CGT Métallurgie.
notamment à la fonderie du Poitou, à Ingrande, la fonderie de Bretagne à Caudan, la fonderie MBF dans le Jura, c'était à Saint-Claude, et puis aussi la fonderie SAM, à Viviers, dans l'Aveyron. Pourquoi ces quatre fonderies particulièrement? Parce qu'en fait, elles sont c'est Renault qui les ravitaille, c'est donc le donneur d'ordre principal pour justement les pièces auto. Et Renault, sous le fait qu'à un moment donné, il faut faire un peu d'économie, a décidé de ne plus ravitailler ses fonderies et donc va se servir à l'étranger. Ce sont des centaines, voire des milliers d'emplois qui sont en cause. C'est toute une filière industrielle de la métallurgie qui va être mise au tapis du fait de Renault, mais aussi de Peugeot, il faut quand même le préciser. Et pour Renault, l'État est à 15% actionnaire chez Renault. Donc s'il n'intervient pas, c'est aussi de sa responsabilité de foutre en l'air cette filière. Nous sommes solidaires de cette filière de la fonderie. Michelin continue sa casse sociale. Au prétexte que les pneus à bas coût envahissent le marché, il a décidé de supprimer 2300 postes en France, soit 10% de ses effectifs. Alors, cette concurrence, certes, elle est là, mais au regard des chiffres, on peut s'interroger quand même sur le bien fondé de ces suppressions de postes. En effet, en 2019, Michelin déclare 1,7 milliard de bénéfices. En 2020, et ce malgré la crise, Michelin dégage 650 millions d'euros de bénéfices. Et le marché chinois leur fait tellement peur qu'ils y courent pour installer des usines. Et au début de la décennie, il y avait 6 usines Michelin en Chine. Aujourd'hui, il y en a 26. Voilà. Tout ça se fera au détriment des salariés français. Alors, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de Sanofi. Ah oui. Alors, Sanofi, qui n'a toujours pas de vaccin contre le Covid, vient d'investir 600 millions d'euros à Toronto pour créer un vaccin. Un vaccin? Lequel? Alors, vaccin contre la grippe. Ah oui, c'est urgent. Ah, c'est urgent. Voilà, il y a urgence, donc 600 millions à Toronto pour le vaccin contre la grippe et 400 millions à Singapour pour commercialiser des vaccins en Asie. Voilà. Et dans le même temps, en France, on supprime 1000 emplois et la recherche. Ce dont je vais vous parler en conclusion de ces brèves, c'est justement le chômage, le taux de chômage. Alors, c'est en lien avec ce qu'on a dit auparavant. Le taux de chômage pour le gouvernement est environ à 9,1%, ce qui est énorme déjà. Sauf qu'en gros, aujourd'hui, on ne prend pas le spectre complet des gens qui sont privés d'emploi. Et notamment ceux qui sont privés d'emploi à plein temps. Et notamment aussi le halo du chômage. Le halo du chômage, c'est quoi? C'est en fait, par exemple, les étudiants qui font quelques heures par-ci, par-là, et qui sont en fait proches du chômage. Eh bien, si on prend tout ce critère-là, c'est 20% des salariés actifs qui, aujourd'hui, sont privés d'un emploi à plein temps. Privés d'un emploi à plein temps. Et c'est pour ça qu'on se bat, ici, dans les dos des luttes, pour revaloriser le SMIC à 1500 euros, mais y compris travailler sur les 32 heures et arrêter les délocalisations. Cette semaine, un gros plan aux hôpitaux sud, Philippe. Alors, hôpitaux sud, c'est hôpitaux sud de Marseille, hein, pour celles et ceux qui n'habitent pas la région. C'est principalement l'hôpital Sainte-Marguerite, avec l'hôpital Salvator. C'est une population de 300 000 habitants, quand même, autour des hôpitaux sud. Complètement dépouillée. Plus de réa, plus d'urgence, plus de cardio, plus de réanimation, enfin plus rien quoi, quasiment, même plus de labo, la pharmacie devrait bien partir, tout, ouais. La psychiatrie en grande difficulté, en grande souffrance, et nous avons rencontré les salariés syndiqués à la CGT qui nous expliquent justement cet état de souffrance et cet état de délabrement des hôpitaux sud, avec un projet y compris alternatif. Alors là, 4 minutes des interviews que nous avons effectuées, mais un reportage complet la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. En attendant, voici quelques extraits. À l'époque, l'hôpital Sainte-Marguerite, c'était en équivalence, c'était le deuxième CHU en termes d'activité de Marseille, juste derrière la Timone. Ça veut dire qu'il y avait tout là? On avait tous les plateaux techniques, on avait les urgences, on recevait principalement les urgences lourdes, SAMU, marins-pompiers, on avait deux services de réa complets. On s'appelle les hôpitaux sud parce qu'on regroupe également l'hôpital Salvator, où il y avait d'implanté le caisson hyperbeurre. Il y avait un service de réanimation aussi d'implanté au centre antipoison, avec le centre antipoison sur Salvator. Donc on avait vraiment tous les plateaux techniques imaginables. On avait le département des maladies respiratoires, on avait l'ORL. Il a été vidé de l'intérieur. On a subi une grosse restructuration en 2010 avec la fermeture des urgences.
qui a été, alors que contre l'avis des marins-pompiers, hein, puisque les marins-pompiers à l'époque avaient, de par la spécificité de l'étendue de la ville de Marseille, plus de 20 km du nord au sud, c'est ce qui avait justifié, de par les marins-pompiers, de créer trois secteurs d'urgence, nord, centre et sud. Donc on a fermé le secteur sud. Alors la psychiatrie est en grande difficulté. Il y a un an, il est venu le contrôleur des lieux de privation de liberté pour faire un peu la visite des locaux du pôle psychiatrique. Et il a été décidé de fermer Cassiopée. Enfin, il n'était pas question de fermer Cassiopée pour le contrôleur, mais de plutôt une remise en état parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. La direction en a profité pour entamer un projet de restructuration et se calquer sur la conception, c'est-à-dire de fermer Cassiopée au détriment des usagers, des malades qui sont en crise aiguë, pour mettre des chambres d'isolement dans des secteurs ouverts. Nous avons actuellement deux unités fermées complètement, c'est-à-dire l'unité Centaure et l'unité Andromède, avec une perte de 48 lits. C'est un service fermé, en fait, c'est en gros un service d'urgence pour la psychiatrie, quoi, où on avait 11 CI, 11 chambres d'isolement, et on recevait plutôt des patients qui sont en rupture de traitement, en crise plus ou moins, quoi, qui ne pouvaient pas rester dans les services ouverts. Et donc c'est pour ça que je dis que c'était une sorte de service d'urgence psychiatrique, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'on recevait aussi les D398, c'était des patients des Baumettes. Et ces patients-là, apparemment, ne vont plus venir sur Sainte-Marguerite, sur Solaris, vu que Cassiopée ferme. Mais j'ai un gros doute qu'ils n'aillent pas dans les CI, dans les services ouverts. Et alors eux, par contre, ne fera pas 12 heures. À mon avis, ils ne sortiront pas du tout de la chambre, ce qui est complètement inhumain, quoi. C'est ça le problème qui se pose. Qu'est-ce que de se poser? On est en train de revenir 30 ans en arrière, quoi. C'est ça. On ferme notre service parce que, soi-disant, c'est un service pas adapté, plus ou moins inhumain pour l'enfermement, tout ça. Et pour rouvrir des chambres d'isolement dans des services ouverts, je mets ma main à couper, ils sortiront pas. Alors là, les détenus qui arriveront là, ils sortiront pas. Elle a été créée pour le personnel hospitalier, c'était géré à l'époque par l'hôpital. Donc il n'y avait que du personnel qui mettait leur enfant. Elle a évolué, malheureusement, pas dans le bon sens, puisque maintenant, nous sommes gérés par la CAF, qui fait en sorte que on ouvre le moins possible pour économiser le personnel. Donc les crèches sont maintenant fermées le week-end, les jours fériés. Donc tous les week-ends, tous les jours fériés, les parents sont obligés de se débrouiller, et particulièrement en cas de pandémie où les parents travaillent beaucoup actuellement et où on ne peut pas recevoir leurs enfants et même la fratrie, parce que manque de personnel, on n'a pas les moyens de garder les enfants en toute sécurité. On va pas laisser faire, on va se battre jusqu'au bout. C'est-à-dire que on a un comité de soutien qui regroupe plusieurs partis politiques, plusieurs associations et la CGT, et la CGT en syndicat, où on propose des solutions, enfin on demande un projet alternatif contre justement toute cette entreprise de casse du service public. Nos revendications, c'est le retour des urgences et de la réanimation en pleine crise, en pleine pandémie mondiale. C'est quand même fou de laisser un hôpital public alors qu'on a la place, alors qu'on a les lits, alors qu'on a le matériel, sans service d'urgence, sans service de réanimation. C'est la création d'un centre médical de santé en lien avec l'hôpital qui serait sectorisé et subventionné secteur 1, donc sans frais, sans avance, etc., avec tout ce que ça comprend, laboratoire, service d'imagerie, planning familial, pour répondre aussi à la population vieillissante et aussi aux étudiants, parce qu'on a près de 10 000 étudiants dans les quartiers sud avec le campus de Lumini. Alors, comment ça va avec Nabil Hassaini, délégué syndical du site de Sérexagri à Bassens, en Gironde? Ce site fabrique essentiellement des fertilisants pour l'agriculture bio et ils sont maintenant en grève depuis 3 semaines. Moi, c'est Nabil Hassaini, je suis délégué du personnel chez Sérexagri à Bassens, en Gironde. Ça fait 3 semaines qu'on est en grève
Notre direction, notre PDG, pour l'instant, il n'est pas venu nous voir. Il viendra normalement, si tout va bien, demain. Les salariés de bassin sont épuisés, fatigués, parce qu'une grève de 3 semaines ici chez nous, c'est historique. Mmh. En sachant qu'on appartient à un groupe indien UPL qui est coté en bourse, qui a un chiffre d'affaires de 5 milliards. Et on a 3 sites en France. Alors, on a le site de Bassins en Gironde, on a le Canet sur Marseille et on a Mourinx à côté de Pau. Le personnel sur Siraxagri Bassins, on a, si vous voulez, 35 personnes. Et le personnel de Siraxagri France, il est de 143 personnes. Sur Bassins, on est multiproduit. 95% de nos produits sont pour l'agriculture bio. On fait un peu de pesticides, malheureusement. C'est parti sur une grève intersyndicale, revendication pour les augmentations générales. Alors, l'intersyndicale avait demandé 40 euros de talent et plus 1,2 sur le salaire de base. En sachant que cette boîte, elle a fait du profit. On a gagné 78 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 7 millions de bénéfices cette année. Notre direction a refusé et l'intersyndicale a décidé de partir en grève, quoi. Et sur Bassins, si vous voulez, il y avait des attentes, il y avait un mal-être. Et là, aujourd'hui, on est nos collègues de Marseille et de Moins qui ont repris le travail. Parce qu'il y a rien eu un pré-accord et les syndicats de Marseille, de Mourinx vont venir sur Bassins demain. On va essayer de trouver des solutions pour Bassins. On va conclure, on signera l'accord des NAO qui est de 36 euros de talent avec 300 euros de prime Macron. Sur Bassins, on n'a jamais eu de syndicats qui ont bougé pour le site. Et à Marseille, à Mourinx, il y a eu des gens, il y a eu des syndicats. Et ils ont pu obtenir des acquis qu'on n'a pas nous. Et nous, aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général. On se dit, on travaille pour le même groupe. On fait du profit. Certes, on ne fait pas les mêmes produits. Mais nous, on a un savoir-faire. Et pourquoi, on se demande, on n'est pas traité comme les autres. En sachant qu'on travaille pour le même groupe. Sur les 35 personnes, on est 24 personnes à faire grève. En sachant qu'il y a des CDD, des contrats précaires, machin, qui ne peut pas faire grève. Mais la totalité du site est devant le portail, au fait. Fait grève aujourd'hui. Zéro production. Et notre combat est légitime. On a des choses à demander. Ça fait des années qu'on subit un management oppressif. Et ce mépris, nous, on en a marre et on est là. C'est médiatisé maintenant. Il y a des médias qui vont venir demain, France 3 Aquitaine. Il y aura France Bleu Gironde qui vont venir. Et au fait, on a des députés qui se sont intéressés à nous, qui ont envoyé des courriers à la préfecture, à la ministre de Bercy. Ils ont envoyé au président de Siraxagri. Mais pour l'instant, le mépris, il est toujours là. Ce qui s'est passé à Marseille, à Mourinx, c'est qu'on a toujours eu des directeurs du site qui avaient la double casquette, directeur de site plus directeur industriel. Et nous, on a toujours eu des directeurs en fin de carrière. Le débat, il est là, au fait. On est dans un consensus démocratique. On vote, on échange. La frustration, elle est là. Les gens se lâchent et on va rien lâcher, au fait. 3 semaines, si on n'a rien, on partira sur 6. Salariés, ils sont en train de penser pour après. Moi, je vais avoir un salaire minable la fin du mois. J'ai fait pour l'instant 3 semaines de grève. On va partir sur le mois. Ça se trouve, c'est zéro. Il y a des familles derrière. J'essaie de les motiver, on essaie de parler, d'échanger, de dire qu'on nous on travaille pour le futur. C'est pas, on peut perdre un mois, mais on gagnera des années. Je peux perdre un mois de salaire, mais si je gagne ma dignité à l'intérieur, mon bien-être et un salaire, je dirais, digne de ce nom, parce qu'on fait beaucoup beaucoup d'efforts tout le long de l'année. Moi, je suis partant pour un mois ou 2 mois, il n'y a pas de souci. Premier de corvée avec Jamel, qui est agent de sécurité, responsable syndical du syndicat justement CGT Sécurité, qui nous raconte un peu ce qu'ils vivent, ces agents de sécurité, qu'on voit pas en fait, hein, qui sont devant les magasins, qui sont dehors, par grand froid, tout le temps debout, voilà. Et donc, voici la situation des agents de sécurité. Je me présente, moi je suis Jamel, hein, je suis agent de sécurité, voilà.
Mes camarades, si on est là aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour se montrer sur les réseaux sociaux. Si on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a vraiment un malaise. Il y a vraiment des problèmes. Il y a vraiment que les salariés de commerce et services, ils sont vraiment mal payés. Les conditions de travail, on ne parle même pas. Moi, je veux juste développer au niveau de la branche prévention, sécurité, sûreté. Donc, nous, les salariés de la branche prévention, sûreté, on a une problématique. Déjà, des cartes professionnelles, je veux revenir sur le sujet. Voilà. Les salaires, on ne parle même pas. Tu peux passer 20 ans en tant qu'agent de sécurité à 1300 euros. Moi, ça fait 15 ans, je suis garde barrière. 1300 euros avec une femme et 4 enfants. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour cette raison. Pour dénoncer ces pratiques. Voilà. Deuxièmement, les conditions de travail. Nous, les agents de sécurité, on travaille 24 sur 24. Jour et nuit. Dans des magasins. Debout. Toute la journée. Courir derrière les voleurs. Dans des cars. Aucune protection. On a travaillé pendant la crise sanitaire. On a toujours honoré nos missions. Et à côté, de l'autre côté de la barre, les patrons, alors aucune reconnaissance. Ah, ils ont fait juste semblant. Dans certains boîtes de sécurité, ils ont donné la prime Macron. On ne veut pas la prime Macron. La prime Macron, c'est la poudre aux yeux. Nous, on veut des augmentations de salaire. Parce que quand tu vas à la retraite, c'est pas la prime, c'est le salaire qui se calcule. Mon cher Philippe, nouvelle rubrique. Ils ont dit non. C'est en lien avec ce qu'on avait créé en 2015. Un jour, ils ont dit non, notre colloque. Et pourquoi on reprend cette rubrique? Parce qu'en fait, l'hebdo des luttes va être solidaire des batailles économiques de l'emploi et du développement contre les délocalisations ou simplement contre l'arrêt des entreprises. Et on a deux usines qu'on va suivre de très près et qu'on a déjà suivies là, Dresser Rand et Ferropem. Et chaque semaine, nous reviendrons sur l'actualité sociale, et y compris, nous invitons les salariés, nous invitons les usagers, nous invitons les populations autour de ces bassins d'emploi à obliger les patrons soit à ne pas fermer, soit à vendre à un repreneur. Parce que dans ces deux cas-là, Philippe, il y a un repreneur. Alors on commence par Ferropem, l'actualité. Alors pour Ferropem, effectivement, la situation est extrêmement compliquée, puisque malgré les luttes engagées, la direction générale a entrepris hier d'ouvrir le livre 1 qui correspond à la mise en place du PSE. Donc les salariés et les syndicats, en particulier la CGT, a mobilisé 200 personnes au moment de l'ouverture de cette procédure. Voilà l'information à ce jour. On en aura plus dans les jours qui viennent et on reviendra vers vous certainement la semaine prochaine. Merci Philippe. On passe à Dresser Rand au Havre. Là, le PSE est beaucoup plus avancé là. Alors, à Dresser Rand au Havre, la situation elle est beaucoup plus compliquée. Parce que, en même temps que le PSE avait lieu, une décision de justice a été rendue, cassant le PSE au simple fait qu'il manquait énormément d'informations. Et le scandale, c'est que la directe a validé le PSE, et ce malgré la décision de justice. Donc aujourd'hui, les salariés de Dresser Rand se réunissent avec leurs experts pour voir comment ils peuvent mener une action au tribunal administratif. Donc dès qu'on a plus d'informations, là aussi on revient vers vous. On termine par le petit coin lecture, mon cher Philippe, avec un livre bande dessinée de deux auteurs, un dessinateur et puis un journaliste, Che, une vie révolutionnaire. Che, une vie révolutionnaire, aux éditions La Librairie Viber. Alors, John Lee Anderson, c'est le journaliste qui est au New Yorker, correspondant de guerre, spécialiste de l'Amérique latine. Il est l'auteur d'une biographie de référence sur Che Guevara et puis celui qui a dessiné, José Hernández, dessinateur de presse mexicain, primé dans son pays. Une magnifique bande dessinée, alors avec des couleurs en lien avec l'histoire. Et c'est l'histoire du Che, y compris à Cuba et après derrière, quand il a offert la guérilla. C'est audition, la librairie Viber, ça a été édité cette année. Voilà, on termine. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis en attendant, sur YouTube, sur Facebook,
sur l'hebdo des luttes, sur Plus belle les luttes. Ouais. Merci Philippe, à la semaine prochaine. Merci Thierry, et puis échangez, partagez, abonnez-vous.